Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc toujours les mauvaises surprises hein, ici à Mayotte. Donc actuellement Chiconi, à Chiconi, la plus grande décharge de Chiconi qu'on trouve ici, c'est juste après le grand virage et sur l'intersection de Chiconi. Vous allez juste jeter un petit coup d'œil ici. Vous voyez, il y a le virage ici et le petit coup d'œil est ici. Et ici, on va trouver un petit peu cette décharge sauvage qu'il y a ici. Ouais, on trouve de tout, hein. Ça continue. Bien sûr, il y a la rivière à côté. On ne fait pas attention à ça. On va jeter quand même là-dessus. Donc, on trouve, vous allez trouver de tout, hein. Du tout venant. Vous allez trouver les machines à laver, les frigos. Il n'y a pas beaucoup. Mais ici, on peut faire le tri hein, de ce qu'il y a. Jusqu'à là-bas, donc ça fait déjà longtemps que les gens s'amusent à jeter comme ça. Continuez, hein. Mayotte, île au parfum, Mayotte, décharge publique. Et donc, continuez, très bien, c'est très bien. Les gens de Chiconi, continuez à faire ça. C'est vraiment un massacre qu'il y a ici, hein. Vous ne vous rendez pas compte de cet impact écologique qui est catastrophique. Et donc ici, sur cette petite route qui monte dans la forêt, on a une jolie rivière qu'il y a ici. Vous voyez, il y en a une ici, une de l'autre côté aussi, une rivière qui passe par là. Il y en a une qui est aussi ici. Donc c'est toujours dans les endroits très naturels qu'on vient de jeter des choses comme ça, comme ici, voilà. Regardez, on a une eau potable très claire. Regardez ce qu'ils font à côté. Regardez ce qu'ils font à côté. Regardez cet échec. C'est un échec total. La biodiversité terrestre et maritime à Mayotte, elle est foutue. C'est déjà trop tard en fait. C'est trop tard. Alors s'il vous plaît, arrêtons, arrêtez. D'accord? C'est très important ce que je vous dis. S'il vous plaît les amis, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît, de jeter là où il faut pas. Il y a des endroits qui sont dédiés pour jeter les déchets électroménagers et déchets non recyclables aussi. Alors, s'il vous plaît, les amis, mes frères et sœurs maorais, s'il vous plaît, je vous en prie, évitez de déposer n'importe où les déchets. C'est interdit, on ne peut pas faire ça, on dégrade la nature, on dégrade la biodiversité maritime. S'il vous plaît, je vous sensibilise, s'il vous plaît.